BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus sur le Bitcoin. Jusqu'où pourrait flamber ce Bitcoin, la monnaie virtuelle qui échappe à tout contrôle, à toute banque centrale, n'appartient et ne dépend d'aucun pays et qui a crevé de nouveaux plafonds, c'est vrai, ces derniers jours. On est passé en quelques mois de 2000 à 5000, même à pratiquement 6000 dollars. On en parle ce soir avec nos invités, Eric Larchevêque, le PDG de Ledger, un spécialiste de la sécurisation, de la gestion des portefeuilles de crypto-monnaies, comme on les appelle maintenant. Eric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous aussi deux autres invités, Pierre Noizat, cofondateur de Paymium, plateforme d'échange de Bitcoin, notamment en euros. Pierre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et notre dernier invité, c'est Gilles Fedac pour iExec, qui a levé en ICO, hein, c'est le buzzword de la rentrée, donc Initial Coin Offering, un peu sous le mode IPO. Mais c'est pas une introduction en bourse, vous verrez, c'est différent. Donc vous avez levé 12 millions de dollars en ICO il y a moins de 6 mois. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Gilles Fedac, donc sur BFM Business. Et puis Fred Cibotel, là, qui est resté autour de la table. Fred, rebonsoir. Rebonsoir. Messieurs, est-ce qu'on essaie d'être juste un petit peu pédago et après, premier, on rentre dans le dur. Eric, peut-être pour démarrer chez Ledger, c'est quoi un Bitcoin, d'où ça vient, qui le contrôle, s'il est contrôlé? Alors le Bitcoin, on appelle ça une monnaie cryptographique. C'est une monnaie qu'on peut transporter sur Internet, qui est virtuelle. C'est de la monnaie digitale, de la monnaie numérique, dont la banque centrale finalement est gérée par un algorithme. Donc c'est, comme vous l'avez dit en introduction, une monnaie qui n'est pas gérée par un État, qui échappe au contrôle dans le sens où il n'y a pas de banque qui la gère, il n'y a pas de Monsieur Bitcoin, il n'y a pas de société Bitcoin. C'est un système décentralisé et qui permet à tout à chacun d'échanger des valeurs dans le monde entier via Internet de façon complètement directe, en pair à pair. Il n'y a pas de Monsieur Bitcoin, il y a quand même un créateur, quelqu'un qui a décidé, ou un groupe de personnes, Fred, qui a dit il y en aura maximum 21 millions. Oui, d'où aussi l'aspect spéculatif. C'est limite. Et puis, ce qu'il faudra voir aussi avec vous, c'est pourquoi cette monnaie cette crypto-monnaie, puis on va en comprendre aussi qu'il en existe plusieurs. Là, on parle du Bitcoin qui est une d'entre elles. Et justement, les ICO ne seront pas forcément avec le Bitcoin. Et puis, essayer de comprendre avec vous pourquoi cette crypto-monnaie est aussi sulfureuse, hein, puisque ça a démarré comme ça. On s'est tout de suite dit, c'est la monnaie du dark web. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on voit que ceux qui ont des trucs à se reprocher, quoi, ou qui veulent cacher des transactions. Moi, la première chose, c'est savoir pourquoi tout d'un coup tout s'est déclenché cet été. À propos du Bitcoin, je pense qu'on a des ICO. Alors, des ICO, pour une raison très simple, je pense à la base, on a quand même une raison technique, c'est que c'est infiniment plus facile maintenant de générer de nouvelles monnaies parce qu'on s'appuie sur des blockchains qui existent déjà. Donc le réseau est déjà là pour sécuriser les assets numériques. Et donc lorsqu'on crée une nouvelle monnaie, la partie technique est quand même beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Ensuite, on a un certain nombre d'ICO qui se sont bien déroulés. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose de nouveau, qu'il y avait une nouvelle possibilité pour les startups de se financer, de créer des communautés. Et je pense que tout ça, ça entraîne effectivement un peu une sorte de folie des ICO, parce qu'on a une façon vraiment différente de créer son business sur la blockchain. On va y revenir effectivement sur les ICO, mais si on reste encore sur le Bitcoin quelques minutes, enfin on en parle une demi-heure aujourd'hui, Pierre Noizat, donc Paymium, vous, on peut acheter là, grâce à Paymium des Bitcoins, on peut les échanger? Alors vous pouvez les acheter sur paymium.com avec des euros, donc vous faites un virement tout simplement et vous placez un ordre d'achat et vous recevez des Bitcoins sur votre compte Paymium. À quel cours, à quel prix? Ça va être le prix que proposent les vendeurs à ce moment-là, donc c'est un prix qui est volatile. Hein, donc vos vendeurs ou c'est sur le... C'est la marketplace, donc c'est tous les clients en fait, de la plateforme qui achètent et vendent entre eux ces bitcoins. Aujourd'hui, il était à combien votre bitcoin? Il était à 4600 euros hier, plutôt à 4008. Enfin, ça varie quand même de manière assez significative d'un jour à l'autre. Hein. C'est clairement volatile. Et effectivement, la flambée des ICO a participé sans doute à la montée aussi du cours qui a attiré de nouveaux clients cette année. Enfin, cette année, on est passé comme vous le disiez, ça a été multiplié par 5. Hein, donc, de 1000 à 5000 dollars. On a une croissance vraiment phénoménale cette année qui est liée aux ICO, parce que c'est des plateformes de crowdfunding finalement, c'est du financement participatif qui est en accès ouvert avec des frais bien inférieurs aux plateformes traditionnelles, mondiales. Et les Chinois ont dit stop d'ailleurs. Alors, les Chinois peuvent dire stop, parce que c'est pas un pays forcément nécessairement très démocratique. Mais il faut savoir qu'une transaction Bitcoin, c'est un message signé. Hein, donc c'est Alice paye Bob un Bitcoin. Signé Alice. Bon, donc c'est difficile d'interdire ce type de process. Parce que les plateformes ne peuvent plus exercer depuis la Chine, quoi.
Alors les plateformes chinoises sont en passe d'être régulées à la chinoise, hein, donc ça s'organise là-bas de manière un petit peu opaque pour nous. Qui sont les investisseurs justement qui justement vont acheter, qui investissent dans le Bitcoin? Oui. Bah, c'est pas toujours facile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les hedge funds et les gens qui ont beaucoup d'argent commencent à s'y intéresser, ce qui explique aussi la montée du cours. Mais sinon, c'est des particuliers qui voient là la possibilité d'acheter une valeur technologique, alors que sinon, c'est difficile pour eux de rentrer dans un tour de table de start-up, par exemple. Si vous avez un portefeuille d'actions du CAC 40, vous n'êtes pas diversifié sur la tech comme vous pouvez l'être avec des start-up. Donc, ces gens-là peuvent acheter des bitcoins, qui est quelque part une représentation de la valeur de ce réseau. Puisque ce bitcoin, il est indispensable pour transacter sur le réseau. Donc, il est son usage est clairement associé au réseau. Et on sait que c'est l'usage qui détermine la valeur du réseau. Donc, il y a une corrélation entre cette utilité et le prix du bitcoin. Donc c'est une valeur technologique, et c'est vrai aussi pour Ethereum, les Ethers, etc. La quantité limitée participe aussi de la montée en puissance, puisque... Parce qu'on peut diviser un Bitcoin quasiment à l'infini, oui. Et on ne peut pas avoir plus de 21 millions. C'est ça, il n'y en aura pas plus que 21 millions dans le protocole. Alors c'est divisible contrairement à une action, hein, ça aussi c'est intéressant par rapport aux actifs traditionnels qui ne sont pas divisibles comme une action. Google a fait un split, mais c'est tout, quoi, ils en ont fait un, divisé par deux. Bitcoin, on peut le diviser jusqu'à un millième de Bitcoin. Voilà, un 100 millième, vous pouvez acheter une toute petite fraction de Bitcoin. Donc c'est assez intéressant. Celui qui a acheté un Bitcoin il y a quoi, en 2010, il a aujourd'hui 100 000 dollars. C'est en gros ça, quoi. Oui, il y a une belle progression pour ceux qui ont été des early adopters, mais enfin, on voit que ceux qui sont en train de se dire pourquoi j'ai pas acheté 10 bitcoins pour un café et aujourd'hui, je serais pas à BFM. Il y a beaucoup d'actions qu'on voit passer aujourd'hui, on se dit mais pourquoi j'y ai pas cru. Enfin, j'y ai pas cru. Oui, il y en a beaucoup, tu as raison. Mais c'est vrai que le bitcoin est assez impressionnant. Comment on revient, si on veut revenir en arrière, vous dites là, une personne qui a acheté un bitcoin en 2010 à 100 000 euros, quelqu'un qui en a acheté 1000. Mais s'il veut reconvertir ça en monnaie fiduciaire, ça peut déstabiliser aussi tout ça. Comment ça Quelle liquidité C'est pour ça qu'on observe la volatilité qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est clair, sur une journée, on peut avoir 20% de variation, c'est ce qui est énorme pour un actif financier. Donc clairement, il y a de la volatilité parce qu'il y a des gens qui spéculent. Hein. Mais ça n'enlève rien à l'utilité du réseau qui est transférer de la valeur du point A au point B dans des conditions économiques. Si j'achète un bitcoin là, ce soir à près de 5 000 euros, je paye quelle commission? Je paye quel frais? Alors chez nous, c'est moins de 1%. Hein, c'est 0,59% pour être précis. Donc c'est des frais de courtage, je dirais. C'est comparable à des frais de courtage. Hein, donc c'est relativement limité. Vous pouvez même acheter par carte bancaire où là, il y a un peu plus de frais qui sont liés à l'usage de la carte bancaire. Mais globalement, vous avez des frais de transaction qui sont, je dirais, pour le coup, assez traditionnels. Par contre, l'upside, enfin la possibilité de gagner sur cette valeur, en tout cas jusqu'en 2016, c'était très, très performant. On ne va pas parler de 2017 parce que ce n'est pas fini, mais il n'y a pas de raison, on dirait, que l'utilité, à mesure que les gens connaissent mieux cette technologie, qu'ils l'adoptent, on peut observer une progression encore significative. Eric Larchevêque, donc vous pour Ledger, qui vous sécurisez ces portefeuilles entre autres en Bitcoin, c'est-à-dire qu'ils sont les Bitcoins, ils sont pas chez moi, enfin ils sont par définition virtuels, mais c'est vous qui pouvez me les sécuriser, me dire bah oui, ouais, vous avez bien tant, ça vous appartient et quand on possède des Bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée qui représente son identité, son accès à la blockchain. Donc les Bitcoins sont stockés sur la blockchain, sur Internet, dans le cloud, mais cette information critique qui est la clé privée, une information en fait, doit vraiment ne jamais être exposée à quelqu'un d'autre. Donc au même titre que si vous allez acheter de l'or, vous allez acheter un coffre, vous n'allez pas le laisser sur votre cheminée, eh bien si vous achetez des bitcoins, vous devez garder vos clés privées dans un environnement sécurisé. Et ce que fait Ledger est tout simplement de mettre à profit la technologie carte à puce pour pouvoir sécuriser ces informations dans un environnement adapté. Et donc nos utilisateurs sont des individus ou des entreprises qui possèdent des crypto-monnaies et qui cherchent donc des solutions pour les sécuriser. Fred, le grand public est de plus en plus intéressé, oui, reste quand même dubitatif. On pose la question aussi sur le compte Twitter de BFM Business. Aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin pour vous, c'est quoi? C'est une opportunité, une bulle spéculative ou ça ne me dit rien? Le quoi? Je ne connais pas. Bah, le quoi, donc c'est quand même une personne sur cinq, même sur BFM Business. Une opportunité, un quart des gens et plus de la moitié répondent, c'est une bulle. Oui.
Oui, c'est ça que vous demandez. Justement, je reviens juste avant de répondre à cette question sur la bulle. C'est pourquoi on en est sur ce côté sulfureux ? Parce que c'est vrai qu'on en parle. Alors, comme vous dites aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui s'y connaissent, mais quand même. À la base, on en parle à des financiers qui commencent à regarder ça, mais... Alors c'est du cash électronique, vous avez raison de souligner que le côté sulfureux, ça vient du fait que c'est du cash, c'est-à-dire on peut transacter de manière relativement anonyme avec du cash. C'est vrai pour le cash papier aujourd'hui, les pièces, les billets. Donc sur Bitcoin, c'est vrai aussi, mais si on déplace des gros montants, il y a autant de... Enfin voilà, ça va être aussi visible qu'une transaction... Surtout qu'il y a une traçabilité. Contrairement au cash, la blockchain permet de tracer toutes les transactions. Et on voit bien que le travail de police fonctionne bien, puisque toutes les places, la plupart des places de marché qui opéraient sur du Bitcoin ont toutes été fermées, ou les gens, les opérateurs mis en prison. Donc, Vous ne savez pas d'où vient l'argent. Vous savez, le premier Bitcoin, mais d'où vient l'argent liquide qui a été transformé en Bitcoin? Ça c'est le rôle des places de marché qui, elles, sont toutes régulées. Dès qu'on passe entre le Bitcoin, la crypto-monnaie, et les institutions financières, il y a là la régulation avec des opérations de validation d'identité, etc. Tous les opérateurs sur Paymium ont une vérification d'identité. Donc là, on sait exactement ce qui se passe. Et que disent les détracteurs quand on dit justement, si on reprend le sondage sur Twitter, de dire c'est une mode, qu'est-ce qui pourrait faire que un jour ça bloque? Est-ce que c'est les États qui pourraient dire, comme la Chine, on bloque? C'est en France, l'AMF qui pourrait dire, oulala, on ne contrôle pas ça? Si on se rend compte qu'un 11 septembre a été financé en partie ou complètement sur le Bitcoin, sur une monnaie, une crypto-monnaie, ça pourrait peut-être la mettre par terre. On n'est pas dans cette dynamique. Hein. Je crois qu'on est plutôt dans une dynamique de régulation, d'intégrer ça dans de l'économie normale. On essaie de trouver des bonnes pratiques pour faire les ICO, donc pour faire du financement de sociétés via les crypto-monnaies. Moi, il me semble qu'on va plutôt dans un sens, y compris l'actualité en Chine, ça correspond à ça. Donc évidemment, ils le font un peu à la méthode chinoise, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt dans un objectif de régulation. Non, on parle du Bitcoin, Fred, tu gardes des questions, on va marquer une pause, tu en as plein d'autres et moi aussi évidemment. 21h13, on est ensemble en direct jusqu'à 21h30, le Bitcoin, pourquoi, comment, à quoi ça sert, faut-il vraiment en acheter et sur quel type de plateforme? On est ensemble là-dessus encore pendant un gros quart d'heure. Vos questions, vos commentaires sur Techco, T-E-C-H-C-O, à la radio, à la télé, 21h30, l'actu tech de ces dernières 24 heures, à tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Avec nos invités, on parle du Bitcoin dans ce focus sur BFM Business. La flambée jusqu'où? Alors qu'on est autour de 5000 voire 6000 dollars, on venait de 1000 en début d'année, soubresaut, les Russes, les Chinois qui veulent réglementer, qui trouvent ça trop opaque. Des critiques aussi, le patron de JP Morgan qui a parlé de fraude, des doutes aussi du côté du UK, et puis d'autres à l'inverse qui y croient, Christine Lagarde au FMI, d'autres grandes banques, un Citigroup, Goldman Sachs qui veut aussi un pool de traders à fond là-dessus parce qu'il y a une demande des clients. Justement, la demande à Eric Larchevêque de la plateforme Ledger, comment vous l'expliquez? Pourquoi on veut du Bitcoin? On a peur de quoi? On se méfie de quoi? En fait, le Bitcoin, vu que c'est un asset, une valeur qui échappe au contrôle gouvernemental et qui ne se repose pas sur la valeur des États, est finalement une alternative à l'euro, une alternative au dollar. Et il y a de plus en plus d'investisseurs qui doutent de la capacité des gros États de pouvoir aller au-delà de leurs dettes. Il y a eu 2008, tout le monde parle d'une prochaine crise financière. Et donc les investisseurs qui ne savent pas forcément où mettre leur argent, parce qu'il y a une limite à investir dans les terrains, dans l'immobilier, peuvent investir dans l'or, certes, mais le Bitcoin représente une sorte de nouvel or digital. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt, c'est pour ça qu'il y a de nombreux hedge funds à New York, par exemple, qui veulent investir des sommes colossales dans ces valeurs. Parce c'est intéressant, c'est créé, vous avez raison de le rappeler, juste après la crise des subprimes. C'est un peu un acte politique. C'est en 2009, et depuis 10 ans, on a déversé des tombereaux, des milliards et des milliards et des centaines de milliards, Japon, Europe, États-Unis, dans le système. Donc on a affaibli les monnaies, un coup l'euro, un coup le dollar, et là vient le Bitcoin. Donc ce qui pourrait arriver de mieux finalement aux crypto-monnaies, c'est la chute, pas du dollar, mais d'une grosse monnaie. Oui, tout à fait. Si à un moment, il y avait une crise financière majeure, le Bitcoin viendrait à s'apprécier de façon extraordinaire. Ça dit 50 000, 100 000 dollars.
$500 000 un jour, c'est possible ou pas? Si le Bitcoin avait la même masse monétaire que l'or, hein, c'est à peu près 8 trilliards, on aurait un Bitcoin à peu près à $100 000, $200 000. Donc il y a tout à fait la capacité de monter encore. Peut-être en acheter un millième ce soir. Posez la question. Non, il y a un mot qui est important, je pense, et là vous le dites, et on l'a sur les monnaies, c'est le mot confiance, parce que c'est ça que l'on crée aujourd'hui. On parle du Bitcoin, mais justement, d'autres, il y a des ICO qui se montrent, enfin, il y a d'autres crypto-monnaies, et c'est compliqué à lancer, il faut de la confiance. Ça c'est un point important, je pense, j'imagine, ouais. de créer cet écosystème. Hors micro, vous me disiez, c'est comme un réseau social. Exactement, c'est la force de Bitcoin, c'est d'avoir été la première à construire sur cette invention, parce que c'est quand même une invention, je dirais presque scientifique, en 2008, qui est apparue. Et du coup, tout le monde est venu se rassembler autour de cette invention pour la faire exister sur un réseau. Et après, on peut cloner la technologie, mais on ne peut pas cloner le réseau. On ne peut pas juste dupliquer le réseau aussi facilement. Donc, oui, il y a une multiplication de monnaies numériques décentralisées en ce moment. Il y a beaucoup d'ICO, des tokens, mais il n'y aura pas forcément que des gagnants sur ce terrain-là, parce qu'on ne peut pas multiplier une nouvelle fois cette quantité de monnaie à l'infini. Parler des ICO, en regardant effectivement notre invité. Il y en a une par jour en ce moment, donc Gilles, ça fait beaucoup. Sur les tokens, donc effectivement, ICO, Initial Coin Offering, on lève de l'argent, des millions de dollars, ou des millions d'euros, enfin plutôt en dollars d'ailleurs, par ICO, alors qu'en fait, on n'émet pas d'actions. C'est ça, hein, Gilles, on n'émet pas d'actions. Donc c'est quoi? C'est des services à venir? Un token, c'est, on utilise une blockchain qui existe déjà, donc généralement, ça se fait plutôt sur la blockchain Ethereum, et on émet un certain nombre de jetons sur cette blockchain, un jeton correspondant à finalement une nouvelle monnaie numérique, une nouvelle crypto-monnaie. Donc le principe est très simple pour une start-up qui veut se financer, c'est associer ce jeton à une technologie particulière, convaincre évidemment des investisseurs que cette technologie a du sens, et puis ensuite on émet le jeton, en échange on reçoit des bitcoins ou des ethers ou d'autres crypto-monnaies mais qui ont déjà une valeur. On utilise ces crypto-monnaies pour financer le développement de sa start-up et la production de la technologie. Et puis ensuite, ces jetons étant utilisés au sein d'un réseau, pour notre cas par exemple, donc les investisseurs retrouveront leur valeur, puisque le jeton étant utilisé, le nombre de jetons étant limité, normalement il devrait s'apprécier au fur et à mesure du développement du réseau. Donc vous avez élevé sur cette techno là il y a quelques mois, en avril 2017, donc, 12 millions. Franchement, est-ce que vous auriez pu lever ça auprès d'investisseurs classiques, hein, de VC? Non, je pense pas, mais le mode de financement est très différent aussi. Avec le mode de financement classique, vous avez plusieurs séries. Il y a quelque chose qui correspond déjà à des développements de start-up qui sont déjà bien connus, ont bien été donnés. Nous, c'est très différent. On émet une fois pour toutes et on doit récupérer tout le financement d'un coup. Il n'y aura pas de série B, il n'y aura pas de série C. Hein, donc le mode de financement est quand même très différent. Notre roadmap, elle est pour 4 ans. Vos confrères ont levé 50, 200, 300 millions de dollars. Exactement, puis ce qui compte après, c'est que d'une fois que le token est émis, il est immédiatement listé dans des places d'exchange, par exemple. Et là, les investisseurs regardent tout de suite quelle va être la position du token par rapport à la liste des autres crypto-monnaies. Donc quand on est un projet un petit peu ambitieux, si on veut réussir, on peut pas se permettre de dire « mon token va être au rang 200 ou au rang 300 ». Si on veut réussir une ICO, il faut quand même être bien positionné. Et donc ça donne automatiquement, pour la valeur supérieure de l'ICO, des montants qui peuvent être assez élevés. Éric Larchevêque, Ledger, quand vous parliez tout à l'heure, pour ceux qui nous suivaient en télé, on voyait l'image du patron de JP Morgan Chase, l'une des plus grosses banques américaines, Jamie Dimon, qui depuis des années tape sur d'abord le Bitcoin, les crypto-monnaies en général. Et il y a encore quelques semaines, là, il disait c'est une escroquerie, c'est une fraude. Si je chope l'un de mes traders là en train d'échanger des Bitcoins sur le desk, je le fous à la porte direct. Mais est-ce que c'est pas votre meilleure boussole inversée? Parce que plus il critique le Bitcoin et plus ça monte. Bah, pour avoir une position aussi radicale, c'est que Jamie Dimon se rend compte peut-être du danger qu'il menace. Il fait partie de cette arrière-garde et il voit là une nouvelle technologie, quelque chose de différent qui lui échappe peut-être. Avant, il y a à peu près un an, il avait dit « Bitcoin is going to eat our lunch ». Le Bitcoin va prendre tout le business. Et donc là, c'est une réaction extrêmement forte qui vise probablement à essayer de mettre à mal le Bitcoin. Et il y a eu une chute, hein, du reste, juste après ses commentaires. Il a même eu ensuite une action en justice comme quoi il avait manipulé le cours, mais comme quoi la résilience de Bitcoin a été forte. Le Bitcoin est remonté assez rapidement juste après. Dernière déclaration, c'est le 12 octobre, il dit « je ne parlerai plus jamais de Bitcoin ». Oui, après il a dit le 12 effectivement, parce qu'il y a eu tellement de commentaires là-dessus, et c'est difficile de justifier, de dire que c'est une fraude, c'est tellement définitif, et c'est tellement peu argumenté,
À mon avis, c'est une sortie dont il se serait probablement bien passé. On avait reçu ici sur ce plateau un représentant de l'AMF, justement, qui disait on est en train de travailler sur les SIO pour trouver un cadre réglementaire. Mais est-ce que là, on n'est pas en essayant d'introduire des structures comme l'AMF, on n'est pas dans, on revient pas dans l'ancien monde, enfin par rapport à votre univers aujourd'hui, votre écosystème? Je pense qu'il y a la place pour différents acteurs. Actuellement, une ICO, c'est quand même difficile pour un investisseur. Il y a un bagage technique qui est pas simple. Il faut déjà avoir des bitcoins ou avoir des Ethers. Donc ça fait déjà une barrière à l'entrée un petit peu difficile. Ensuite, il faut interagir avec des smart contracts. Honnêtement, tout le monde ne peut pas le faire. Effectivement, je pense que passer par des étapes de régulation, ça permettra aussi probablement à un plus grand nombre de pouvoir investir de cette façon à des étapes très précoces de développement des startups. Pierre, question pour vous, là, donc la plateforme Paymium, question sur le hashtag TechCo, T-E-C-H-C-O. Si une plateforme d'échange se fait hacker, peut-on récupérer ces bitcoins? Sont-ils assurés ou bien perdus à jamais? Alors, il faudrait nous expliquer comment c'est possible, puisqu'on ne garde pas en fait les clés privées dont parlait Eric sur la plateforme. Donc, elles sont conservées de manière différente, offline. Donc, la notion de hack n'existe plus vraiment, puisqu'il n'y a plus de serveurs qu'on peut hacker dans ce sens-là. Par contre, la sécurité des systèmes informatiques reste un sujet. Ça, c'est vrai, mais on a des outils de monitoring, tout simplement, qui permettent de détecter la cohérence de notre comptabilité, si vous voulez, en temps réel. Donc, à partir de là, on a pris toutes les précautions. Maintenant, évidemment... Le risque zéro n'existe pas, exactement. Même en informatique. Oui, tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a entre 5 et 10% des bitcoins qui sont perdus, soit parce qu'ils ont été volés, après c'est quand même difficile de les remettre sur le marché, ce qui est une traçabilité. 5 ou 10%. Oui, ou des gens qui les perdent ou qui détruisent les clés privées, des accidents arrivent aussi. Donc quand on est sa propre banque avec Bitcoin, donc un grand pouvoir, grande responsabilité. Avec le minage, c'était dans plein de PC, de c'était centralisé. Le minage permet d'émettre les Bitcoins, mais une fois qu'ils sont en circulation, c'est comme si vous aviez un bon porteur. Si vous détruisez votre bon porteur, du coup, il est retiré de la circulation. Il n'y a pas moyen de le remettre en circulation. Donc si on perd une clé privée ou si on se fait voler ces bitcoins, eh bien on pourra jamais les récupérer, sauf si on nous les rend. Oh, c'est pas très safe quand même, Fred. Oui, justement, on a cité quelques noms de grandes banques aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des grands acteurs, des grands acteurs de l'industrie, de l'économie, qui regardent ça certainement, mais qui vont déjà lever des fonds, emprunter de l'argent avec des bitcoins ou une crypto-monnaie aujourd'hui? Parce que lorsqu'on reçoit ici, c'est des sociétés comme les vôtres, c'est des startups, c'est des plateformes. On participe, nous, Paymium, à un consortium qui s'appelle LabChain, qui est organisé par la Caisse des dépôts, qui regroupe des banques et des assurances, des grandes banques, des grandes assurances françaises. Donc, ça prouve que ces grands groupes s'intéressent au sujet de très près et interagissent avec des startups comme nous, ou Ledger, pour s'approprier cette technologie. Donc, je pense que c'est pas pour la laisser dormir indéfiniment. Je pense qu'à un moment, ils vont développer des services. Je pense à AXA, qui vient de lancer un service d'assurance automatisé avec la blockchain récemment. Donc, on voit que ça bouge au niveau des directions de l'innovation, en tout cas ça bouge. Après, les directions métiers sont toujours plus lentes, mais je pense d'ici 5 à 10 ans ce sera plus un sujet, elles utiliseront toutes cette technologie. C'est un peu comme la banque en ligne, ça a mis un certain temps après que le web se soit développé. Les banques ont mis un certain temps à y venir. Pourtant, ça les désintermédie un petit peu, quoi, Amérique. Ouais. C'est ce que demande aussi la Vincent sur Twitter. Les banquiers ont-ils peur de voir leur métier disparaître? C'est un peu en creux ce que vous disiez par rapport à Diamond. C'est-à-dire qu'il critique, en fait, c'est parce que ça lui fait peur. Il a peur. Ça fait évoluer. Et du reste, dans son discours du 13 octobre, Christine Lagarde a dit qu'on ne peut plus ignorer les crypto-monnaies. Et c'est bien parce que la technologie fonctionne. Elle a quand même démontré sa qualité. Et que donc, dans le futur, on peut tout à fait imaginer de nouvelles places financières, de nouvelles plateformes financières qui fonctionneront de manière complètement différente et où les banques, finalement, auront peut-être toujours leur place, mais de façon très différente. Donc quand on parle de bulle sur le Bitcoin, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est un changement de paradigme? Est-ce qu'on n'est pas là à une rupture, à un vrai changement? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser lorsqu'on analyse ce que peut représenter le Bitcoin aujourd'hui dans notre société. Frédéric, ultime question, il nous reste 60 secondes. Oui, j'avais la même question tout à l'heure sur la partie sécurité. Et puis, moi, où j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut monter sa propre crypto-monnaie. C'est ça qui me... ça me fascine quelque part de me dire, tiens, comment on lève son propre... C'est ce qui nous a fascinés, nous aussi. On avait envie de le faire d'abord pour comprendre. Non, je pense vraiment, au-delà, effectivement, du...
de l'aspect financement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, il y a toute une dynamique, ce qu'on appelle la crypto-économie, le fait que nous, on va pouvoir faire des algorithmes qui mettent la monnaie en jeu. Donc ça, pour un informaticien, c'est quand même quelque chose de totalement fascinant. Mais il n'y a pas des gens qui essaient de faire du bruit, justement, autour, pour que ça ait cette image de confiance qui ressort, cette image... Alors, effectivement, quand on fait une crypto-monnaie, l'aspect communautaire est extrêmement important. Il faut arriver à impliquer les gens dans la technologie, la faire adopter. Il ne faut pas être seul, hein. C'est vraiment en mode crowdfunding. Quoi. Voilà, c'est, je dirais, moitié crowdfunding et puis moitié comme des startups classiques où il faut rencontrer des fonds, rencontrer des gens qui ont des financements pour faire les investissements initiaux. Merci beaucoup Gilles. iExec avec nous ce soir. Paymium et Ledger étaient nos startups invités donc pour ce focus sur le Bitcoin. À très vite Fred, hein. Fred Simotel. Ton regard sur la tech d'ailleurs, on te retrouvera dans un petit quart d'heure, à peine 10 minutes. 21h30 dans un instant, l'actu tech de ces dernières 24 heures. On est ensemble jusqu'à After Business, hein, jusqu'à 22h, bienvenue si vous nous rejoignez.